Comme le manteau à 46 étoiles, j'ai tracé des lignes verticales, une au centre de l'image, 23 en partant du centre vers la gauche et 23 autres en partant du côté droit, de telle sorte que j'avais des espaces millimétriques égaux entre les lignes. Chaque ligne ou espace correspond à une certaine étoile du manteau ou au centre de la fleur du vêtement. Leur position étant différente, je considérais que chaque étoile, en fonction de sa position, et chaque centre de la fleur en fonction de sa position, correspondait à une certaine note de musique. Aujourd'hui, ce lieu est devenu l'un des plus grands pèlerinages au monde dédiés à la Vierge Marie. Chaque année, plus de 12 millions de pèlerins viennent voir la représentation de la Vierge. Car oui, la tunique de Juan Diego décrite dans ce récit existe toujours de nos jours. Alors que le temps aurait dû la détruire, elle est toujours présente dans la basilique. Elle intrigue à de nombreux niveaux puisque, vu sa composition, elle aurait dû se désagréger depuis très longtemps. De plus, il existe de nombreux mystères autour de sa réalisation. En effet, après plusieurs études scientifiques pour l'analyser, certaines questions n'ont pas trouvé de réponse. Si vous souhaitez aller plus loin et que le sujet vous intéresse, j'ai réalisé une série de vidéos. N'oubliez pas que vous pouvez, si vous le souhaitez,